Est-ce que tu me vois répondre? Hey, 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 je m'en fous. Hey, 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 on s'en fout. Hey, 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 je m'en fous. Excusez-moi d'en répondre. Est-ce que tu me vois répondre? Aïe, 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 je m'en fous. Aïe, 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 on s'en fout. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, on partage, on envoie les cœurs, s'il vous plaît. On partage, on envoie les cœurs, on partage, on envoie les cœurs. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous portez bien. Moi, ça va super bien. Encore un peu fatigué, mais ça va. Ça va, mais ça va aller. Alors, on partage le direct, s'il vous plaît. D'accord? Bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Quittez pas. Sont les clés. Quittez pas, je suis en direct. C'est compliqué ça, mais pourquoi vous prenez pas espèce? Parce que nous aussi, comme moi, moi je dois me donner mon numéro. Ah, mais ça c'est comment? C'est sur le téléphone, c'est pas moi qui l'ai rempli. Moi je remplis les sécurités sur mon téléphone. Non, je parlais comme moi, c'est pas mon compagnon, il n'est pas là, c'est lui qui a tout fait tout ça. Ok, vous voulez jouer au basket? Je reste pas là. C'est bon, il sera géré. Vous voulez jouer au basket?
19h30. 19h30? Oui. Ok, il n'y a pas de souci. On arrive à l'extérieur. Merci. Merci. Excusez-moi. Hein. En fait, vous savez que comme c'est les débuts de fin d'année, là, il y a c'est la Croix-Rouge qui a sonné, qui demande des aides. Et du coup, ils veulent des gestes symboliques. Ils ne prennent pas déjà l'espèce. Donc, ils veulent le numéro, mon RIB. Ça, c'est des choses que c'est. Je ne connais pas comment ça se passe. Donc, je lui ai dit de passer quand le patron sera là. C'est le patron qui va voir ça avec eux. Donc, si vous voulez, j'avais dit que je vais donner 10 euros. Donc là, maintenant, il s'appelle Yassa. Et ils ont sonné dans la journée, j'étais en train de passer l'aspirateur. J'ai vu la tête, je n'ai pas ouvert. Pardon. Là, à cette heure-ci-là, il y a déjà pas mal de personnes. Bref, vous savez que même bientôt les sapeurs vont commencer à faire le porte-à-porte. Donc c'est pour dire que vous voyez que même ici chez nous en France, fin d'année comme ça, là, il y a les... Ça c'est pour la Croix-Rouge qui est venue sonner là maintenant, qui ont besoin qu'au moins 1 euro pour aider. Il y a beaucoup de sans-abri en ce moment. Voilà, donc ce sont eux qui ont sonné là. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je ne veux pas être longue, hein. Je ne veux pas être longue. Oh, merci pour les étoiles, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse tes activités et qu'il te les rembourse au centuple. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci. Alors, bonsoir la TKC, bonsoir les sympathisants, bonsoir les abeilles. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va super bien, sauf que je suis un peu fatiguée. Voilà, mais tout va bien. Hein? Bonsoir à vous tous. Alors, je ne vais pas être très longue, je vais juste essayer de faire un débriefing par rapport à la soirée et donner aussi mon mécontentement parce que à un moment, même si c'est tout est rose, il y a des petits trucs qui ne sont pas souvent bien. Donc, il faut parfois, on dit, il faut parfois aussi donner ton mécontentement. Alors, la soirée était très belle. On a fait un carton plein, un sans faute. On a eu plus, on a vendu même plus qu'il en fallait, au point où j'ai jamais vu même où on peut même rembourser. Même on dit qu'on vous rembourse même. C'était du venez voir. La soirée était très très belle. Je vais déjà comme ça dire merci à ma copine, au neuf. Je te dis merci. Tu as pris toutes tes dispositions pour que je sois bien accueillie. Tu as pris toutes tes dispositions pour que je sois à l'honneur. Tu as pris toutes tes dispositions pour que je sois belle. Mais ils n'ont pas respecté ta décision. Ma copine a dépêché quelqu'un pour me maquiller à l'hôtel. La maquilleuse est arrivée. Et après, elle a eu un coup de fil. Elle va aller maquiller quelqu'un d'autre. Elle m'a dit qu'elle revenait, elle n'est pas revenue. Donc du coup, c'est une de mes belles-sœurs qui m'a maquillée. Donc léger, comme je... tranquille. Deuxième point, l'entrée, mon entrée. Ma copine avait prévu un son pour moi. Alors mon son avec lequel je devais entrer, c'était avec le son de Jackie King. L'amato, you know, vous connaissez ma chanson là. C'est avec ce son que je devais entrer. Et ce son n'a pas été fait. Et là, je ne l'en veux pas parce que l'organisation, la soirée était pleine, mais les personnes qui travaillaient n'étaient pas très ordonnées. N'étaient pas ordonnées parce que c'est quand elle vient qu'elle constate tout le bordel qu'il y avait. Parce qu'elle n'était pas là. Avant même qu'elle arrive, moi je l'avais déjà appelée pour dire qu'il y a un désordre fou. C'est comme ça qu'elle vient trouver qu'il y a déjà un désordre. Elle avait prévu une chanson quand je devais entrer, qui n'a pas été faite. Déjà, mon mécontentement. Et quand on entre,
On doit te diriger, on ne te laisse pas partir comme un je ne sais pas quoi. Quand tu entres, il faut des filles qui t'accompagnent jusqu'à ta place. Je ne sais pas ce qu'elles étaient en train de faire. Donc, nous sommes entrés. Déjà, nous sommes d'abord restés même dehors là-bas. On ne fait que dire d'aller annoncer. On ne fait que dire aller annoncer parce qu'elle a laissé les consignes que quand j'arrive, on doit m'annoncer et j'ai un son avec lequel je vais entrer. Donc, elle n'était pas aussi contente du fait que on n'a pas mis mon son. Elle a insisté que je me maquille. Je n'ai pas été maquillée. Ça, encore, on comprend. La fille autour était fatiguée aussi. Il paraît qu'elle a maquillé beaucoup de personnes. Elle était déjà fatiguée. Et maintenant, j'entre. Le son que je devais entrer avec, on n'a pas mis mon son. L'impresario, autant pour moi, n'a pas mis mon son. Pourtant, elle a laissé la liste. Donc, beaucoup de personnes ont remarqué que ils disent que d'autres personnes me demandent si j'étais à la soirée. J'étais bel et bien à la soirée. J'étais parmi les premières stars à entrer. J'étais la première, on va dire. J'étais la première star à entrer. Donc, la soirée était super, super belle. Moi, en tout cas, je me suis amusée dans mon côté. Et les personnes qui ont trouvé que j'étais un peu calme, et d'autres qui ont dit, j'ai pas fait de direct. J'ai pas fait de direct parce que j'ai vu tout le monde était connecté. Ça ne servait à rien que je fasse de direct. Même une photo où je suis debout, je n'ai pas de photo où moi-même je me suis filmé debout. Je n'ai pas de photo. Je ne sais pas donc si on m'a pris en photo là-bas, mais moi, je n'ai pas de photo où je suis entière. Je sais que je suis obligée de remettre ma robe et faire moi mes vidéos ici, déjà, pour qu'on voit comment ma robe était. Je n'ai pas de photo. Donc, je suis... Voilà mes deux mécontentements qui m'ont énervé dans la soirée. Voilà les deux choses qui m'ont énervé. Maintenant, ma copine Flore de Lille, le 9 de Facebook. Tu peux être fier de toi. Tu peux dormir en disant que aujourd'hui, tu fais partie de la diaspora positive dans la communauté africaine. Tu peux être fier de toi. Tu peux taper la main à la poitrine. Dis que tu l'as fait. Et tu l'as fait. Du jamais vu. Sur la place parisienne. Du jamais vu. Ce que tu as fait. Pour une première édition. Tu as fait fort, ma copine. Tu as déplacé même les anges. Même les anges sont venus à ta soirée. Tu as fait fort. Ça, tu mérites des vacances, des bonnes vacances. Tu mérites une semaine de vacances. C'est-à-dire, tu pars quelque part, tu te fermes, tu dors. Tu as fait fort. Bravo à toi. Bravo. J'ai une proposition à te faire. En live là, il y a la Saint-Valentin qui est proche. Il n'y a pas de soirée prévue. Lance-nous un truc. Lance-nous un truc là, là, là. Parce que je sais que tu en es capable. Et je sais que tu es une femme forte. Tu n'as jamais douté de toi. En tout cas, moi personnellement, j'ai jamais douté de toi. J'ai confiance en toi. J'ai toujours eu confiance en toi. Et à partir de maintenant, je te ferai encore plus confiance. Ne t'inquiète pas le fait que tu n'es pas. Il y avait trop de monde. Tu ne pouvais pas t'occuper de tout le monde. Franchement, si j'ai dit, si quelqu'un se fâche, coucou mon bébé d'amour, coucou mon cœur d'amour, ma nièce. Si quelqu'un se fâche, qu'il n'a pas eu de photo avec toi ou que tu as mal parlé, moi je vous dis, ce n'est pas facile.
de tenir plus de 1000 personnes. C'est-à-dire, la salle était pleine. Les gens n'avaient plus de place. Les tables étaient pleines. Elle a même proposé que je rembourse. Ils ont dit que non, nous on reste. Quelqu'un paye les bouteilles de champagne, il est debout, il danse, il boit. Du jamais vu dans la place parisienne. Kinkam, qui es-tu? D'où viens-tu? Tu es l'enfant de qui? Toujours le maman Anala. Hey! Non. Ma chérie, bravo à toi. Bravo. Tu as déplacé les montagnes. J'ai vu un ange en train de danser dans la salle. J'ai vu un petit ange qui est venu t'encourager. Flo, ma Kota, comment s'appelle toujours Kota? Tu peux être fière de toi, maman. Tu peux être fière de toi. Parce que moi, je suis fière de toi. Je suis fière de dire que tu es ma copine, tu es ma soeur. Je suis fière. Je suis fière de partager mes projets avec toi. Tu es une belle personne. C'est-à-dire, pour faire un carton plein comme ça, il faut avoir un bon fond. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont chercher à se rallier à toi. Parce qu'on sait que tu as un fond. Et que quand tu es quelque part, tu amènes des ondes positives. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui te méprisaient vont faire tout pour s'allier à toi. Tu es une grande dame. Je ne regrette pas d'être avec toi. Je ne peux pas regretter. Si nous étions des méchantes personnes, moi, ma salle, je n'allais pas faire carton plein. C'est vrai, moi, c'était 250 personnes. Mais si j'avais les mauvaises ondes, on n'allait pas faire carton plein. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes fusionnels. Quand on touche, on transforme ça en or. Oui, parce qu'on le fait avec notre cœur. On le fait comme si c'était pour nous-mêmes. Je t'ai vu ici marcher dans la pluie. Je t'ai vu courir. J'étais au téléphone. Kota, attends, je cours, tu cours. Je m'en vais prendre le train. Il y a des gens qui m'attendent. Comment le Seigneur ne va pas te donner ce résultat-là? Pourquoi le Seigneur ne va pas te donner le résultat que nous tous, nous avons vu en live? Avant minuit, la salle était déjà pleine. La salle était déjà pleine. Le dehors était noir. Le dehors était noir. C'est pour ça qu'il y a des personnes sur la toile qui te pleurent. Des personnes à qui tu as tourné. C'est-à-dire, Dieu nous a donné quelque chose en nous. Hein. Quand on te tourne le dos, quand on dit qu'on n'est plus avec toi, vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi ces personnes pleurent. Ça pleure de partout. C'est parce que quand tu fonctionnes avec des gens qui ont des cœurs purs comme nous là, tes affaires marchent. Toutes les portes s'ouvrent comme ça. Aujourd'hui, je suis fier. Même ma boss est fière de moi. Le but de remplir les salles, c'est d'avoir aussi des numéros. Moi, aujourd'hui, je suis fier. Quand ma boss me dit qu'il y a une pharmacie qui m'a contacté. On m'a contacté du Gabon. On m'a contacté d'eux. Je suis fier. Aujourd'hui, voilà ma copine qui entre dans la jet set parisienne. Parce que là, elle entre vraiment dans la jet set parisienne. Elle s'impose. Elle a fait ce que toutes les anciens n'ont pas pu faire. Et comme elle est entrée là, elle ne sort plus. Elle continue seulement. Donc j'aimerais que deuxième édition là, Kota,
tu réfléchis avant d'inviter encore les musiciens qui vont nous amener le mal de tête, qui vont venir nous faire pleurer en live. Il faut que, t'as dit, tu réfléchis bien. Parce que ta soirée, je suis en France, ça fait plus de 20 ans. J'ai vu des soirées, mais ta soirée, la salle était trop petite pour toi. Maman, toi, c'est le zénith. C'est le zénith que tu dois prendre. Parce que les salles, toutes les salles qu'on fait là, c'est les petites salles pour toi. Ça ne te suffit pas. Chérie, tu as fait fort. Tu as fait fort. Bravo. Bravo à toi. J'ai passé une très belle soirée. Il y a des personnes qui disent que, oh, on ne sait pas si maman Pépé était là. J'ai envie de leur dire que quand on est accompagné, quand une femme est accompagnée, elle doit être posée. J'avais une robe tellement sexy que faut pas que je me mette à. J'avais des talons comme ça. Je ne peux pas me mettre à sauter dans la salle. J'ai quel âge? Je vous ai dit que j'entre dans la cour de l'aristocratie. Je ne suis plus au niveau où je vais arriver, je commence à sautiller. Non, je dois me comporter. C'est le comportement qui attire, qui fait en sorte que l'homme te respecte encore. J'étais avec Doudou. Je n'allais pas me mettre à. Non. Un moment, Doudou était gêné déjà parce que les gens n'arrêtaient pas de venir me saluer, faire des photos. Bon, il y en a qui étaient déjà fatigués, qui avaient déjà bu, d'autres qui s'appuyaient sur lui, tout ça. Un moment, il s'est même mis debout. Il a dit, bon, je vous laisse avec votre personne. Mais une femme qui a des principes et des qualités, quand tu sors avec ton homme, tu dois être posée. Tu veux danser, tu danses là. Un moment, on voulait me faire tomber son chapeau. Il m'a dit qu'il y a un moment, là, ma belle-sœur, une de mes belles-sœurs a dit que, elle a mis la calèche, elle a dit que non, le tout, c'est, on va vous laisser danser. Elle s'est mise comme ça. Personne ne passe ici. C'est quoi? Laissez-la profiter. Laissez-la profiter un peu. Dès qu'on se lève, qu'on veut danser, oh, voilà, il vient derrière, il veut les photos. Ce n'est pas facile. Mais on va faire comment? Parce que si tu ne fais pas aussi les photos avec des personnes qui t'aiment bien, les personnes qui te soutiennent, les personnes qui ont l'habitude de te soutenir dans tout et qui ont l'occasion aujourd'hui de te voir, qui n'ont pas peut-être l'occasion de te voir d'habitude, tu vas faire comment? Vous voyez donc comment est-ce que nos personnes souffrent souvent. Nous qui vivons maritalement là, nos conjoints souffrent. Parce qu'il y a des moments où il veut vraiment l'intimité, mais il n'y a pas. Parce que nous sommes bousculés de partout. Mais en tout cas, j'ai passé une agréable soirée. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de querelle, il n'y a pas eu de. Non, il n'y a pas eu de problème là-bas. Juste, jamais. Chacun a respecté son couloir. Ceux qui voulaient s'embrasser, s'embrassaient là-bas. Ceux qui voulaient jouer l'hypocrisie faisaient leur hypocrisie loin. Maléba était assise dans son coin. Elle savourait son champagne. Maléba est partie, comme j'ai dit. Je suis partie à cette soirée pour encourager ma soeur. Je ne suis pas partie me tisser les liens d'amitié là-bas. Non. Je ne suis pas partie qu'on me dise que voilà tel, il faut saluer. Non. Jamais. Comme je continue à dire, je persiste dessus. L'hypocrisie, c'est la sorcellerie. Tu ne peux pas m'insulter. Tu insultes mes entrailles. Tu insultes tout ce qui est mauvais. Tu insultes même ce qui est vrai, même ce qui n'est pas vrai. Pour que demain, on me voie avec toi, en train de prendre une photo, en train de sourire. C'est le sourire de quoi? Et c'est le game de quoi? Je préfère porter l'étiquette de la femme la plus haineuse de la toile. Ça me va même trop bien. Je préfère. Mais je garde ma dignité, ma personnalité. Oui. Je ne suis pas dans les choses-là. Tu ne vas pas venir m'insulter n'importe comment.
Je t'embrasse, ça c'est pourquoi tu me mets alors bien le couteau. Non, 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 non. Je t'ai insulté, tu m'as insulté. Respecte ton couloir, je respecte mon couloir. Et ça ne chauffe pas. Ceux qui étaient là-bas, ils peuvent vous dire. Hein. D'autres me cherchaient partout, mais on dit que ma pépé ici, elle est où? Elle est où? J'étais là, bien installée. Si je dis que Flore ne m'a pas fait honneur, je mens. Elle m'a fait honneur. Et je lui dis merci. Elle m'a fait honneur. Elle a insisté que je sois maquillée. Elle voulait que je sois belle. Non, moi je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne fais pas semblant, moi. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Tu ne vas pas insulter ma mère, tu insultes mon père, tu insultes mes enfants, tu m'insultes, tu traites toute ma famille et moi-même dans la boue pour que moi, après, je te vois, je viens, je commence à rigoler comme si de rien n'était acquis. Que c'est quoi? Clo-clo, c'est pas la sorcellerie. C'est quoi? Pour que demain vous venez dire sur la toile que, oh, la paix est bien, oh, vous savez, ça c'est bien, c'est très beau, je t'ai vu avec tel, c'était joli. Non, arrêtez ça, arrêtez, arrêtez. Arrêtez-moi ça. Faut m'arrêter ça. Arrêtez-moi ça. C'est vrai que vous êtes venu sur la toile pour les games, pour le buzz, pour n'importe quoi. Moi, je suis pas dans le buzz et je ne suis dans le game avec personne. Parce que toutes ces personnes-là, je ne les connais pas avant. J'ai vu une qui s'est assise ici, me traiter jusqu'à dire que si elle me voit, elle va me casser la gueule. Tu lui demandes que vous discutez quoi? Je ne sais pas ce que je discute avec eux. Et puis moi, je vais venir. Parce qu'on dit que wow. Non. Vous savez ce qu'on appelle les femmes comme vous là. Vous êtes des femmes sans personnalité. Vous êtes des femmes qui ne savez pas ce que vous voulez de la vie. Une femme doit avoir une personnalité et un caractère. Ça fait que même si quelqu'un veut te faire quelque chose là, il réfléchit d'abord bien. Oui. Parce que les gens comme ça, on peut vous empoisonner très vite. Hein. Excusez-moi de ma vérité. Mais quelqu'un ne peut pas t'insulter, insulter jusqu'à, comme là, je ne sais pas quoi, et puis vous vous embrassez. Cette personne va te donner le poison, je suis désolée. Je m'adresse à toutes ces personnes qui faisaient l'hypocrisie à la salle, là, que vous vous aimez trop, attention. C'est dangereux. C'est très dangereux ce que vous faites, vous ne savez même pas. L'être humain est très dangereux, l'être humain est méchant. Vous ne pouvez pas arriver à un stade d'injure, puis après, vous faites déjà, vous vous aimez. Non. Qu'on ne vous mentez pas. Moi, je ne suis pas dans cette hypocrisie. Il y a des personnes qui m'ont peut-être manqué de respect, mais qui sont encore tolérables. Mais il y a des personnes que je ne peux pas tolérer. Non. Ça veut dire que je ne suis pas. Maman Perpé, je ne suis pas la compresseur. Parce qu'il y a 10 ans, quand la compresseur passait quelque part, on disait que non, elle est passée. Donc moi, Maléba, est venue. Et ma soeur, c'est comment, non? Qui? Qui? Nkas, je connais Nkas depuis. Nkas, c'est mon nom, on se connaît depuis. Vous avez vu que sur la toile, on s'est un jour manqué de respect. Non. Jamais on s'est manqué de respect. Donc je l'ai serré dans mes bras. Ça, c'est la réalité. Mais toi, toi qui es dans mon direct là maintenant, là. Et toi là. Et toi là. Et toi. Toi aussi. Toi là. Moi. Tu vas venir, tu dis que tu m'embrasses. Je t'étends les, j'ouvre mes bras. C'est pour que pendant que tu m'embrasses là, tu mets le tout dans mon verre. Ne donne pas cette occasion. Moi, je ne donne pas l'occasion là.
Non, 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 non. Je ne donne pas cette occasion. Je ne suis pas la conquête de la visibilité. La visibilité, je l'ai en moi, dans mon corps, depuis que je suis toute petite. J'étais déjà une star depuis. Donc tu ne vas pas venir, tu insultes mon mec comme un poisson pourri. Tu insultes mon gars avec qui je vis. Tu le traites de tous les noms d'oiseaux. Et puis moi, Maléba perpétue. Parce que je vais entendre que je cherche la visibilité. Je te donne l'eau, tu bois. Mais fais attention si je viens vers toi. C'est que je te calcule. Mais sur la toile nous a tout montré. Ne soyez pas surpris. Il y a des personnes ici que vous allez voir qui ont eu des problèmes avec des gens ici, sont allés jusqu'au commissariat, des plaintes et tout. Ne soyez pas surpris que demain vous les voyez ensemble. C'est la réalité. C'est la réalité des réseaux sociaux. Parce qu'une comme moi, tu m'amènes au commissariat. Toi et moi là, c'est à vie. À vie. Je ne te dis plus bonjour. Oui. Donc, et toi qui as amené au commissariat, et toi qu'on a porté plainte, vous vous remettez. Vous êtes, c'est-à-dire, des sous-basses personnes. Moi, je ne peux pas. Moi, Maléba Perpétue, la fille de Ngo ou Marie-Josée, je ne peux pas. Je préfère porter le chapeau de haineuse. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, ma copine fait la paix avec qui elle veut. Si j'entre dans un restaurant, je trouve qu'elle est assise avec mon ennemi, je lui fais le câlin, je continue mon chemin. Si elle veut me dire que je laisse nous même eux deux, une fois, et on n'en parle plus. Moi, je suis comme ça. Ce sont mes habitudes. Et je ne peux pas t'interdire. Parce que je ne parle pas avec une personne, je t'interdis de parler avec la personne. Je ne suis pas comme ça. Parce que moi, je sais faire la part des choses. Moi, je sais faire la part des choses. Je peux être avec toi, Diane Perpétue Maliba. Je peux être avec toi. Tu ne parles pas avec Samé ou Joséphine Legrand. Je t'interdis de parler avec eux parce que moi, je ne parle pas avec eux. Non. Non, ce n'est pas normal. Nous sommes des grandes personnes. Tu parles avec qui tu veux, du moment où ça ne m'affecte pas. Moi, je n'ai pas de problème. Quand on s'appelle, bonjour, salut, c'est comment, non? Gars, est-ce que tu sais que on ne parle même pas de ces personnes-là? Jamais. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai des personnes avec qui je cause bien, mais qui parlent avec le président des Bousailleurs. Ça ne m'empêche pas d'être toujours, de causer avec eux. On sait ce qu'on parle. Et je sais ce que je cause avec eux. Je peux venir parler avec eux n'importe quoi. Comme il y a des personnes qui disent que sur la toile là, que moi j'étais, ou j'étais ami avec eux. Ah, vous savez ce qu'on appelle l'amitié? C'est un point que je veux bien qu'on parle ce soir. L'amitié, c'est quoi? Je t'appelle. Je te parle de ma vie privée. Je te parle de mes activités. Je te parle de ma famille. Je te fréquente. Tu me fréquentes, c'est-à-dire je viens chez toi, tu viens chez moi. C'est ça qu'on appelle l'amitié. L'amitié, ce n'est pas qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux. On se parle au téléphone, on ne s'est jamais vu. Ou alors, on s'est vu, toi tu es venu chez moi je ne suis jamais venu chez toi. Ça, ce n'est pas l'amitié. Ça, c'est des. Ça dit, on appelle ça, c'est une fan. Ça, c'est des fans. L'amitié, c'est que je te dis. Tout ce qui se passe dans ma vie. Si aujourd'hui on m'a niaise ou on ne m'a pas niaise, je te dis que, gars, depuis là, l'audio, il me niaise même pas. C'est même comment, non? Gars, comme tu vois là, il m'a niaise comme ça là. Gars, est-ce que tu sais donc qu'il y a un Joe là qui me drague? Gars, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui là, j'ai préparé ci. Demain, je vais préparer ça. Je m'en vais au pays. Je vais faire ci, ça, ça, ça. C'est ça qu'on appelle les amis. C'est ça qu'on appelle l'amitié. Mais les gens confondent l'amitié aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui confondent l'amitié. Bon, c'est vrai aussi que parfois, certaines personnes écoutent les choses à tort et à travers.
Mais l'amitié, ce n'est pas du fait que on se voit, bonjour, maman Pépé. Moi, j'ai toujours dit ici sur la toile, si vous entendez quelque chose qui me concerne, qu'on vient dire sur la toile, par exemple, que, oh, apparemment, Noé a grandi encore, appelez-moi, demandez-moi, est-ce que c'est vrai? Oui. N'écoutez pas, parfois, pardon, ce qu'on vient vous dire sur les réseaux. N'écoutez pas toujours ce qu'on vient vous dire sur les réseaux. Les réseaux, c'est le virtuel. C'est vrai, moi, j'amène parfois la réalité. Mais, moi, je ne. Il y a des pains que je ne mange pas. Non. Je suis une femme catégorique. Mon amour est dit. Bisous. Comme là. J'ai ma copine qui m'a dit l'autre jour que il y a une influenceuse qu'elle voulait amener me saluer et tout ça là. Je lui ai dit, tu as amené cette personne, j'allais vous snober vous deux. J'allais vous manquer un respect, vous deux. Vous devez avoir honte. J'oublie même que toi tu es ma copine. Oui. J'allais. Oh. J'allais vous snober très mal. Oui. Coucou Malili. Hé, Malili, maman, Malili a la prestance. Malili, c'est une femme qui a de la prestance. Les réseaux sociaux, c'est. L'affaire de faux profils, c'est. Hé. J'ai vu Malili. Malili a de la prestance. Elle a de la personnalité. C'est-à-dire quand Malili est quelque part, hein, on sait que ça, c'est une femme. Malili sentait bon. Hey! L'affaire de faux profil. Malili, mieux, reste-toi dans ton faux profil. Maman, les réseaux sociaux, ils peuvent mentir les gens. Oh. Ko, Malili est vieille. Ko, Malili est les amours doudou. J'ai vu Malili. Malili est belle. Malili est présente. Quand on dit femme là. Maman, j'ai vu ma précieuse Jacques, maman. Le corps de ça. J'étais là. Les jours. J'étais un toum-toum. Je ne pouvais même pas faire que ro-ro-ro-ro-ro. Maman, quand tu es une aristocrate, que tu es avec. Tu te comportes seulement. C'est-à-dire même boire. Je n'ai même pas saoulé là-bas. Je buvais seulement. Maman. On menaçait. C'est-à-dire. Ce n'est pas facile. Oh. Le comportement là. Le mariage. Maman, était moi. Malili peut vous dire. Malili peut vous dire. Hey, boire. La soirée était. Succès total. Ça dit, hormis les deux points qui m'ont énervé là, rien à dire par rapport à la fête. Je devais entrer avec la mato la mat. Là, comme est parti, il n'a pas mis. Lui, là, je veux le clasher. Il n'a pas mis mon son que ma copine avait prévu que je devais entrer avec. Je ne suis pas entré avec mon son. Pourtant, je vous avais prévu que je devais entrer avec une démarche épaule carrée. Non, je n'ai pas pu. Parce qu'on n'a pas mis mon son. Voilà 2024. On entre bientôt en 2024. Nous allons faire nos bilans. Et nous allons déposer nos bilans sur la toile. Les je suis, j'étais, maintenant. C'est fini ça. Nous allons déposer le bilan. Donc, je vous ai dit que je n'allais pas être longue. Demain, il y a école. Alors, je vais dire encore une fois de plus à ma copine. Bravo.
Bravo à toi. Je suis fière de toi. Et je suis contente d'être auprès de toi. Tu es une belle personne. Que le Seigneur bénisse toutes tes activités. Comme on dit, je vous dis tous les jours, n'ayez jamais peur de recommencer dans la vie. Tu peux attaquer une activité, ça ne marche pas. Tu attaques l'autre. L'autre peut donner la preuve. Tu as sorti beaucoup de business qui ont fait jamais. Même celui-ci, on a voulu saboter. Même ta soirée-ci, il y a eu des sabotages. Il y a eu des sabotages. Mais quand on est l'enfant de God, quand on ne pense pas du mal à autrui, Dieu ne peut que t'ouvrir les portes, ma copine. Il va t'ouvrir les portes. Moi, je ne crois pas à ce qu'on dit que l'étoile de la femme s'arrête à un certain âge. Non. L'étoile d'une femme peut rester à vie. Parce qu'il y a des femmes qui ont du succès. Même à 80 ans, ils ont toujours du succès. On parle toujours d'eux. Et le monde de la nuit où tu es entré, c'est un monde où il faut être vigilante aussi. Parce que ils ne seront pas. Moi, j'ai vu des regards là-bas. Hein. J'ai vu des regards des promotrices là. Hein. Il y a une là. Il y a une là. J'ai vu son regard. Tu sentais que le macabo était ici, que in. Donc, je ne veux pas polémiquer, mais j'ai quand même vu le regard. Moi, il parle. J'ai vu. Je n'ai pas m'interdit, je parle. J'ai vu le regard du sort. Dans ma copine, mets seulement tes pieds par terre. Tu sais que c'est les gens qui, ils m'entendent que ce n'est que eux. Ajoute-toi dedans. Tu as battu le record. Ajoute-toi dedans. Si je veux aussi, je vais te dire que ma copine, pardon, viens m'aider. Oui. Parce que apparemment il y a trop les dos là-bas là. Crois pas, tu vas me dire hein, que tu as trop pointé. Maman, on a faroté ma copine jusqu'à. J'ai oublié de l'agresser le matin. Alors qu'on était ensemble le matin, il pouvait me appuyer son cou. On a faroté ma copine, même l'artiste, moi. Ils ont fait le bat au Jonah. Tu voulais faire le bat à qui, à ma copine? Maman a faroté ma copine. Même me lever, mettre à ses. Maman, mettre. Ninou, je suis mes chaussures qui sont là-bas dedans. Mes chaussures noires là que j'ai portées l'autre jour, qui est comme ça là. Vous allez voir. Il ne pouvait pas sauter, il ne pouvait pas bouger. C'était comme ça. Le talon était comme ça. Je dis que yo. Il part là-bas là. Une batte, on peut me pousser là-bas là. Casse ma cheville. Non. Non. La soirée était belle. Belle jusqu'à. On a faroté ma copine. Non, c'est qui est comme ça là? Le talon là. On a faroté ma copine jusqu'à. Maman, il n'y a pas une personne là-bas qui n'était pas belle. Tout le monde était nyanga. Ma fille Nicole, belle. J'ai vu ma fille Nicole, j'étais très heureuse de la voir. Vous voyez un talon comme ça là que j'ai porté. Arrête, arrête. Maman, regardez-vous le talon. Regardez comment je suis été. La chaussure est là. Hein? Maman. Le portier, c'est Doudou qui m'a offert ça. Mon gars qui m'a offert ça. Ah, ça ici. C'est ça que j'avais au pied. Doudou. Mon Doudou qui m'a offert. C'est pour ça que je vous montre. C'est Doudou. Il me vante. Je m'en garbais. Oui, c'est Doudou qui m'a offert. Bon. Je vais vous laisser. Demain, il y a école. Je vous dis encore merci à toutes ces personnes qui ont encouragé ma copine. Merci à toutes ces personnes qui nous encouragent dans nos œuvres. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment du fond du cœur. Merci à Tadi. Je ne sais pas comment. Je saurais quoi vous dire merci. Parce que vous êtes là. Chaque fois qu'on a besoin de vous, vous êtes là. Il n'y a pas mieux que vous dire merci. Parce que je ne pouvais pas imaginer que moi, Maliba Perpétue, j'allais partir en Afrique faire un carton plein. En Afrique.
grâce à vous, vous avez décidé que vous allez nous mettre en haut. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse toutes vos œuvres, qu'il bénisse vos mains, qu'il bénisse tout ce que vous faites et qu'il vous le rembourse. La santé, bénédiction, amour, argent, tout. Pour le bienfait que vous faites pour nous. Vraiment, on ne vous demande pas mieux. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous encourager. Et pour ça, je vais aller demander, je vais allumer les bougies pour vous. Pour toutes les personnes qui nous soutiennent, je vais allumer les bougies pour vous. Pour vous dire merci. Merci de prendre votre temps pour nous. Parce que vous n'êtes pas obligés. Vous avez vos familles aussi. Mais vous vous êtes sacrifiés pour nous. Vous avez dit non. On va mettre ces deux fils ici en haut. Je vous dis merci du fond du cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne regrette pas pourquoi je prie pour vous. Même ceux qui sont invisibles, je prie tous les matins. J'ai dit au Seigneur de mettre la main sur vos cœurs afin que vous continuiez toujours à être là pour nous. Ce n'est pas toujours l'argent. Ce n'est pas toujours, c'est votre présence. Le fait de nous encourager dans toutes nos œuvres. Merci. Merci du fond du cœur. Ça a rejeté ma prestige, je ne sais pas pourquoi. Je vous dis merci. Continuez seulement à nous encourager. Grâce à vous, nous allons sortir de beaucoup de petites choses de la toile. C'est-à-dire des petits clashs à deux balles. Nous allons sortir de là. Ça sera vous qui allez décider. Parce qu'une comme moi, si j'organise un événement, si je fais peut-être je fais une vente et que vous m'encouragez, pourquoi je vais venir répondre aux personnes qui n'en valent pas la peine. Franchement, vous avez vu ces jours-ci là, comment est-ce qu'on est en train de vouloir boycotter Flo. Vous avez vu, est-ce qu'elle a eu le temps? En ce moment, tu n'as pas le temps de venir répondre aux attaques, à n'importe quelle attaque. Ma prestige, ça tourne. Parfois, c'est les soucis même. Parfois, c'est le fait d'être, de ne pas avoir quelque chose à faire qui te donne envie de venir répondre parfois aux attaques des personnes qui n'en valent même pas la peine. Alors que quand tu es occupé à faire quelque chose, quand tu es vraiment occupé, tu n'as pas le temps de venir répondre. Et on ne peut pas aussi répondre à tout le monde. Moi, une comme moi, pour que je réponde à nos jours maintenant, pour que je réponde à quelqu'un, il faut que je réponde à quelqu'un que je sais que quand tu lances ton direct, tu as au moins 1500 vues. Là, je peux te répondre. Mais je ne veux pas répondre à quelqu'un qui lance un direct, il a 150 vues. Je vais discuter quoi avec ces gens de personnes? Je ne profite rien de cette personne. Non. Alors, quand je suis en direct comme ça, là, ma précise a rejeté, je ne sais pas pourquoi. Je veux prendre par Kante. Par Kante. Mon fils adoré, mon bébé d'amour. Et il m'a demandé de faire quelque chose, j'ai déjà oublié. Ça tourne, je ne sais pas pourquoi ça tourne. Mais vraiment, vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous, comme vous, nous représentons quelque chose dans vos vies. Ça a rejeté au Jules Dubois. Ça a rejeté. Comme nous, quand vous nous voyez, vous êtes contente là. C'est comme ça que nous aussi, quand nous sommes connectés, vous partagez et que vous êtes là, ça nous donne aussi une force. Vous ne pouvez pas imaginer. Hein? Vous demandez parfois, que, mais comment vous faites? Parce que moi, j'ai des personnes qui me demandent, comment tu fais pour faire des directs? Vraiment, il faut avoir le courage, il faut avoir la force. C'est vous là. C'est vous qui faites notre force. Parce que sans vous là, nous ne sommes rien. Il ne faut pas se mentir. Sans vous, nous ne sommes rien. Voilà Edith qui m'a encouragé au pays. Elle ne m'a pas seulement encouragé qu'elle a envoyé les membres de sa famille. Hein. Elle a envoyé les membres de sa famille avec une enveloppe pour moi. Donc moi, je vais venir mépriser ça. Est-ce que je vais me mettre un jour comme ça, même que Edith me fait même n'importe quoi. Je viens m'asseoir, je prends ma caméra, je me mets à insulter Edith. Non, dites-moi un peu. Et c'est comme si vous avez souvent
Je ne sais pas, vous êtes souvent comme si vous êtes un peu des sorciers. Parce que vous réagissez souvent dans nos vies au moment où on ne s'attend pas et au moment où on a le plus besoin. Je ne sais pas si vous le savez même. Au moment où nous avons besoin souvent, c'est là que vous réagissez souvent. Parfois, tu peux récemment que tu es en train de réfléchir que demain là même, hein, gars, j'ai envie de payer un truc là et tout, 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 tout. Bam! Tu entends seulement que ma pépé, envoie-moi ton nom. Comme ça, quelqu'un te dit, envoie-moi ton nom. Juste parce que on est fier de toi, on est content de toi. J'ai dit que Edith a envoyé les membres de sa famille pour m'encourager avec une enveloppe. Est-ce que ce n'est pas beau le geste? C'est très beau. C'est très beau. C'est pour ça qu'on dit que dans le virtuel, on a des personnes qui nous suivent et des personnes qui nous aiment pour de vrai. Hier, j'ai trouvé ma nièce là-bas. Elle a amené sa copine qui est venue. Elle m'a donné son enveloppe. Elle-même, elle est venue me bombarder avec sa part d'enveloppe. Est-ce qu'elle avait prévu ça? Non. Elle a dit que va, tu achètes quelque chose pour ma petite soeur là-bas à la maison. Oui. Donc, c'est vous qui faites notre force. Moi, j'ai vu un reportage sur une influenceuse chez Nadia là-bas. Là. Mais attends, l'anga reste comme ça là. Ce sont ses fans qui payent, qui ont payé, qu'on lui construise une maison, on lui a acheté une voiture. On fait les courses, on vient déposer chez elle. C'est des fans. Des fans. Je suis récemment, elle dit que, nous, quand on nous donne même un bonbon, après on nous insulte que nous sommes les mendiants. Elle dit que, yo. Donc, c'est comme ça l'affaire, si. Je vous jure, j'ai suivi ça ici, j'étais hein, c'était ici sur YouTube. L'enfant regardait ces trucs-là. Et puis, c'est venu passer, j'ai regardé. J'ai dit que, Donc, c'est pour ça que moi, je ne vous mens pas quand je fais ma prière, parce que moi, je prie tous les matins dans ma salle de bain. Quand je fais ma prière, je suis sincère dans ma prière. Là où mon homme est là, rien ne peut lui arriver. Rien ne peut lui arriver. On dit la femme est la puissance. Quand je fais ma prière, il va sortir là. Même si c'est qui va lui faire quoi, ça ne va pas marcher. Mon enfant, pareil. Et vous qui me suivez, vous qui m'accompagnez tous les jours, n'importe quel endroit tu te trouves, je dis toujours, Seigneur, toutes ces personnes qui me soutiennent, bénis leur journée. Accorde-leur toutes tes grâces. J'ai dit bien toutes ces personnes parce que je ne connais pas le nom de tout le monde. Donc j'ai dit toujours toutes ces personnes qui me suivent et qui m'encouragent dans ce que je fais. C'est très important, hein? Je vous jure, c'est très important. Donc, je veux couper ce direct ici en vous disant encore. Mon fils a lancé encore l'appel, ça tourne. Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas les appels aujourd'hui. J'ai décroché l'appel, mais ça tourne, ça ne prend pas. Voilà, ça a rejeté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que même le direct veut que pour ce soir, c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je prends encore Malili un peu pour voir. On va voir si ça prend Malili. Si ça ne prend pas. Voilà. Malini, c'est une sorcière, je vous jure. Malini, quand tout le monde ne peut pas entrer dans le direct, elle réussit toujours à entrer. Revoir. Malini, comment t'as-tu fait pour réussir à entrer, non? Ben, tiens, parce que je marche, hein, je suis dans la lumière. Dis, je voulais Oui. éteindre le téléphone et réallumer. Je Mais là, voulais il est déjà. simplement dire d'éteindre et de réallumer. Là, il est à 19h, même, allez, je suis obligé de couper même. Parce Bon. que
Merci pour la soirée. Ma Ah pépé, tu oui. es belle, en vrai. Merci, Malili. Tu as compris, Malili non? m'appelle Kala. J'ai serré Malili comme ça, le goût. Belle, en J'ai vrai. serré Malili. Et Surtout que qu'elle Dieu sentait bon. bénisse, et que Dieu continue à bénir votre amitié. Oui. Parce que ton Amen. entrée était magistrale. La compresseur, Imité, c'était mais jamais égalé. magistral. Tu as compris, non? Oui, C'était Malili. magistral, ton entrée. Et que vous restez comme ça. Personne ne va vous détruire. Et la personne qui va venir Compresseur? vouloir Oui. vous détruire. Bonsoir, compresseur. Bonsoir. Oui, je te suis depuis longtemps. Je ne viens pas du Cameroun, mais je te suis avec Flore depuis les débuts jusqu'à la réconciliation. Merci. Voilà. Alors maintenant, je voulais te poser une question. Vas-y. J'habite en Suisse et puis je vois que ton teint, il est propre, 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 propre. On peut acheter des produits ou pas? Parce que quand on te voit, on a envie d'acheter. Non, moi, c'est pas, je fais plus l'audience, hein. Moi, Ah. j'ai dépassé le niveau là. Oui, d'accord, J'ai ok. dépassé le niveau là. En fait, il faut boire le glutathione. Tu Oui, vois, c'est ça non? que je parle, parce que moi aussi, Voilà, je il faut fais prendre pas le l'exercice. glutathione. Tu Oui, prends c'est le ça que je glutathione comme parle. ça, même si tu mets n'importe quel produit, ça Oui. va ouvrir tes pores. Tu vois, D'accord. non? Oui. Voilà. Oui, Il faut c'est prendre ça que je le parle, parce que moi, glutathione. je fais pas l'exercice. Et j'habite Voilà. en Ouh, Suisse. comme tu ne peux pas le dire ensemble, alors c'est bien. Il Oui, faut j'habite prendre le en Suisse. glutathione. Je pouvais commander avec vous si jamais. Tu regardes sur ma page. Il y a le lien sur ma page. Sur la Suisse, d'accord. D'accord? Je D'accord. pense qu'il y a un représentant en Suisse là-bas. Tout à fait. Je vais vérifier. Voilà. D'accord, mon bébé. D'accord, Voilà. chérie. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à Ben, tout c'est moi qui vous le monde au remercie. Cameroun. C'est l'Afrique qui gagne. Merci. Merci. Bisous. Merci, c'est l'Afrique qui gagne. Merci, ma Au chérie. revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, ma pépé, un Oui, mon gros amour. bisou et des gros cœurs. Merci, ma Lily. Merci D'accord? beaucoup. Reste Merci. comme tu es. La soirée était belle. Non, elle était trop Ma belle. foi a été couronnée. Et ça Ouais. ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Maman, il va venir commencer à faire comme s'il veut déranger maman. Elle va seulement faire les soirées là jusqu'à. Déranger On est qui? derrière elle. Moi, je signale ici que c'est la première fois que j'assiste à de telles soirées. Je ne suis jamais partie, mais j'ai dit pour ma foi, je pars. Et je voudrais vous dire, ici, là, que si je sentais bon, c'est rebelle. Ah oui, tu sentais trop Donc, bon, Malili. rebelle de la Mafo, je le dis ici encore. Tu sentais trop bon. J'ai dit, je vais mettre ça hier, Non, tu sentais samedi, bon. pour Tu sentais venir bon, la Malili. célébrer, pour montrer aux gens que son parfum, ce parfum sent tellement bon et que elle loue, elle crée encore ça. Qu'elle commercialise encore. Non, quelqu'un m'a fait fort. Yeah. D'accord? C'était pour toi. Oh, Allez, gros bisous, ma gros pépé. bisous, Malili. Gros bisous, bientôt. merci. À bientôt, Malili. Bisous, Bisous. bisous. Bon, mes gens, je vais vous laisser comme ça en vous disant encore merci du fond du cœur. Hein. Merci beaucoup de vos encouragements. Alors là, il est 19h. Moi, mon enfant dort à 19h30. Donc, il faut que je coupe le direct pour aller m'occuper d'elle. D'accord? Sur ce, on dit demain. Peut-être demain. Demain à la même heure. Je pourrais faire un direct si j'ai quelque chose à dire, si je veux décrypter ou parler de quelque chose qui me tient à cœur. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues au Cameroun qu'il faut que je dénonce. Hein. On va parler. Donc demain, 18h, je pense que vous serez déjà à la maison. On fera un direct. D'accord? Sur ce, je vous aime, je vous embrasse en vous disant merci encore du fond du cœur. Merci à vous et je vous aime. Je vous aime et merci pour tout. D'accord? Bonne nuit à tout le monde. Au revoir. Merci. Partagez la vidéo, s'il vous plaît.